Chers amis youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur ma chaîne et à vous abonner, donc je vous remercie très fortement. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche de dire que ce que je fais ici depuis quelques mois, eh bien, je vois que ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelques exercices à faire chez soi ou en club, des exercices importants, bon, bien sûr qu'on fait nous en club tout le temps puisqu'on est un club de sport de combat, kickboxing, donc les exercices d'assouplissement et de stretching. Je vous recommande d'ailleurs fortement, avant de commencer l'échauffement, de faire un peu de stretching. Et bon, de toute façon, le professeur, pendant l'échauffement, vous donnera des exercices à faire de stretching. Mais surtout, après avoir suivi le cours de sport de combat, d'art martial, de faire aussi du stretching. Ce sera bénéfique pour vous. Vous allez vous améliorer en souplesse et c'est bon pour votre corps. Une autre chose sur laquelle je voudrais insister quand vous faites du stretching est de bien vous laisser aller, de bien vous détendre. Imaginez que vous faites une sorte de yoga. Hein? Donc, ce qui est important, c'est la respiration. Donc, souvent, j'ai des élèves qui font du stretching et ils retiennent leur respiration très mauvais. Laissez-vous donc expirer, inspirer, laissez-vous, détendez-vous. C'est très, très, très important car avec cette respiration, vous oxygénez votre corps et il va partir beaucoup plus loin. Vous allez pouvoir mieux vous assouplir et vous allez mieux évoluer. Donc, retenez bien ça. Bien respirer, ne retenez pas votre respiration. Voilà. Donc on va partir avec 10 exercices de stretching que vous pouvez faire chez vous, que vous pouvez faire dans les clubs bien sûr. Ce sont des exercices de base, pas trop compliqués et qui peuvent être appliqués à tout niveau. Ok? Donc on va commencer maintenant. Donc on va commencer par un premier exercice. Tout simplement, qu'on fait souvent au club, qui va vraiment tirer, détendre votre dos. Donc tout simplement, vous mettez voilà, les jambes bien droites et une jambe passe et croise l'autre et vous laissez tomber tout doucement, vous relâchez. Et quand vous laissez tomber, bien souffler, voilà. Vous restez comme ça 10 secondes. Vous pouvez même faire un petit mouvement de balancier. Vous rentrez votre tête. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous revenez en position initiale et vous refaites la même chose avec la jambe opposée. Donc, si vous avez commencé avec le pied droit, maintenant vous allez avec le pied gauche. Que vous croisez, vous laissez tomber doucement. Faites des petits mouvements balanciers si vous pouvez. Ou alors vous restez droit. Bien soufflez votre air. Alors j'ai compté 10. 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Donc comme je vous l'ai dit, la respiration est importante, donc retenez pas votre respiration. Ok, donc voilà, premier petit exercice, vous voyez que quand vous le faites, ça va tirer au niveau du dos. Donc il ne faut pas forcer, laissez-vous aller. Si vous sentez que vous avez des douleurs, que ça fait trop mal, vous arrêtez tout de suite l'exercice. Ok, voilà. Deuxième exercice, ici, un classique du club. Donc, on est en écart facial et on va commencer avec la jambe droite. Elle va se tourner et se mettre à 90 degrés. Ok ? 90 degrés pour la Belgique. Et donc, regardez, je tournais mon bassin aussi dans ce sens. Ici, c'est important que là, voilà, on est plié. Donc, la jambe avant est pliée à 90 degrés, pas trop s'avancer. Voilà, cette position est parfaite, est très bonne. La jambe arrière, elle est tendue. Ok, voilà. Alors, vous pouvez faire des petites insistances. Moi, j'en fais toujours
10, vous pouvez en faire 10, 20, c'est à vous de voir un peu. Hein, bien, vous allez sentir que ça va quand même hein, tirer ici au niveau des cuisses, tirer à l'arrière, donc c'est que ça fonctionne. Alors soit vous mettez les deux mains sur la cuisse de la jambe avant, soit vous mettez une main à terre et vous faites vos assistances, un peu à vous de le sentir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous revenez en position initiale, même chose dans l'autre sens, jambe tournée, 90 degrés, hein, la jambe avant, 90 degrés, jambe arrière bien tendue, bien droite, ok, et voilà, soit mettez les deux mains sur votre cuisse avant, soit vous mettez une main en avant, de cette sorte, et vous faites des petites insistances, une dizaine, une vingtaine, voilà. Bien souffler, bien respirer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et vous revenez en position initiale. Troisième exercice que nous pratiquons souvent au club, tout simplement je vais descendre, toucher avec mes deux mains le sol devant, ensuite on remonte, milieu, on vient chercher et derrière. Voilà. Donc ça a l'air simple, mais voilà. Et ce qui va vous tirer au niveau de tout ce qui est jambes et cuisses à l'arrière. Vous voyez, quand vous allez descendre, vous allez le sentir, bien sûr, aussi au niveau du bas du dos. Hein? On va commencer, on va en faire 10, mais à chaque fois, on part devant, milieu, derrière. Important. Donc, pas juste mettre la main devant, au milieu, derrière. Hein, ça, je voyais souvent au club et je corrigeais souvent. C'est vraiment, on est droit, on descend devant, on vient toucher avec ses deux mains le sol à l'avant. On revient un peu, on remonte un peu. On vient au milieu, toucher avec les deux mains. On remonte un peu, on vient à l'arrière, toucher avec les deux mains. On y va pour 10. Allez, 1, devant, milieu, derrière. 2, devant, milieu, derrière. 3, devant, milieu, derrière. Toujours bien souffler. 4, 5, 1, devant, milieu, derrière. 6, devant, milieu, derrière. Et on revient. 7, devant, milieu, derrière. 8, devant, milieu, derrière. 9, devant, milieu, derrière. Et 10, devant, milieu, derrière. Voilà. Quatrième exercice, toujours en écart facial. Hein, donc facial ici, donc on écarte un peu de face. Aussi un rituel où on vient donc alterner ma main droite, vous allez voir, va toucher le pied gauche, ensuite je tourne la tête et ma main gauche va toucher le pied droit. Donc important de tourner la tête, d'aller dans le sens où votre main touche, là, tac. Ok, on y va pour 10, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Bon exercice aussi. Vous pouvez le faire aussi de façon accélérée. Donc n'oubliez pas aussi donc, de tourner la tête à gauche, à droite et regardez aussi comment je bouge mes bras. Okay, on va y aller pour une série un peu plus rapide. C'est parti, 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui est important aussi, c'est la rotation du bassin de nouveau. Ok, n'oubliez pas. Cinquième exercice, donc toujours, on est toujours en écart facial, donc hein, de face ici. Regardez ce qu'on va faire. Donc on va fléchir une jambe. On peut tendre les bras, moi j'ai toujours tendance à tendre les bras. Voilà, on va fléchir une jambe de face. Voilà, le buste est toujours tourné vers vous, en fait vers la caméra, donc tout droit. Je remonte et ensuite je fléchis
l'autre jambe. Voilà, et ça, ça fait 1. On va faire ça 10 fois. Donc, ce qui est important, c'est quand... Voilà, donc c'est, là, le buste, il ne se tourne pas comme dans l'autre exercice. Le buste, il reste droit. On va juste fléchir une jambe. Hein, voilà, je reviens en position initiale et je fléchis l'autre jambe. Bien sûr, celle-là reste fléchie, l'autre reste tendue. On garde bien les pieds au sol. Ok, on va essayer ça ensemble. On en fait 10. On est parti? Allez, top. 1. Bien souffler quand vous descendez. Ça fait 1. 2. Ça fait 2. Allez, 3. Ça fait 3. 4. Bien descendre. Sentez que ça tire. Allez, ça fait 5, 4, 5, on y va. 5. Allez, 6. Bien souffler. Quand vous descendez, comme ça vous allez aller plus loin dans l'exercice. 7. Allez, c'est bien. 8, on y va. 2 reste bien droit. 9. Et le 10e, on le fait. Hein. Voilà. Très bon exercice. 6e exercice, un exercice qui va travailler en fait la souplesse au niveau des hanches. Vous allez voir, on va donc agrandir l'écart facial et on va se mettre sur les avant-bras au niveau du sol. Donc ici, voilà, sur les avant-bras, voilà, on écarte bien et on vient tourner les hanches. Voilà, vous pouvez même toucher le sol, c'est pas grave. On fait ça 10 fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc bien tourner l'hanche, 8, 9, 10, et ensuite on revient en position initiale. Alors, 7e exercice, donc toujours en écart facial, là on, voilà, on est déjà un peu stretché, hein, parce qu'on a déjà fait 5-6 exercices de stretching avant, donc on va agrandir l'écart facial et tout simplement mettre nos bras au niveau, voilà, à l'intérieur des cuisses, on va essayer de les bloquer. Voilà, on reste là 10 secondes dans cette position, donc verrouillé, 2, 3, donc vous allez voir que vos cuisses, hein, vont s'appuyer sur vos avant-bras. Donc ça c'est le but, hein. Ok, et on reste là une dizaine de secondes, hein. Pour ceux qui peuvent tenir plus longtemps, vous pouvez le faire 10, 15, 20 secondes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis vous revenez en avant, vous détendez un peu et vous repartez en arrière. Vous allez sentir que, hein, voilà, et vous allez peut-être descendre un peu plus à chaque fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous revenez en avant, détendez un peu, voilà, vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois, c'est un peu à vous de voir, en fonction, bon, bien sûr, il faut surtout pas, donc dès qu'on sent une grosse douleur, il faut arrêter l'exercice, hein. D'ailleurs, je demande toujours qu'on aille consulter son médecin avant de commencer ça, n'importe quel exercice d'échauffement, des exercices physiques. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on revient en avant. Hop, voilà. Ça, c'est un bon exercice aussi. Alors, 8e exercice, celui-là, je l'aime bien aussi. On va tendre une jambe et fléchir l'autre. Donc, l'autre
Vous voyez, elle fléchit, il y a une jambe tendue, l'autre fléchit. Alors celle-là va travailler doublement. C'est-à-dire qu'on va travailler ici la cuisse extérieure de la jambe qui est fléchie. Et puis ensuite, en allant en avant, on va travailler toute cette partie, enfin, surtout au niveau des mollets, hein, de la jambe qui est tendue. Donc, on va partir d'abord en arrière. Voilà, vous pouvez partir ici en arrière. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait souvent après un échauffement. Hein, on est bien chaud et on stretch un peu. Donc là, en allant en arrière, on s'appuie bien sûr au sol. Hein, on met une main au sol. On va en arrière. Vous allez sentir ici que ça va tirer au niveau de la cuisse extérieure. Là. Hein, on reste là comme ça. 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, déjà, ça va tendre. Pour les plus souples, vous pouvez aller complètement en arrière et rester 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention, c'est vraiment pour les gens qui ont déjà de l'expérience et qui sont plus souples. L'important, c'est de ne pas lever ici la jambe qui est fléchie. Important. Donc, une fois qu'on a fait les 10 secondes là, ensuite, on va en avant. Et avec le front, on essaye de toucher le genou. On peut joindre les deux mains au niveau des pieds. Et on descend tout doucement. On descend, on souffle. Et on verrouille 10 secondes. 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, relâchez. On fait la même chose dans l'autre sens. Donc une jambe tendue, l'autre fléchie. Important. Voilà, vous allez sentir, vous n'avez rien qu'à faire ça et aller un peu en arrière. Vous allez déjà sentir ici, au niveau de la cuisse extérieure, que ça va tirer. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ne pas forcer, bien respirer. Voilà. Vous vous mettez en appui à l'arrière. Votre main est à l'appui au sol. Vous restez comme ça 10 secondes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui est important, c'est que ça, ici, la cuisse ici, que la jambe fléchie ne se lève pas. Alors pour les gens plus souples, vous pouvez aller complètement en arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on revient en avant. Et ici, avec le front, on va essayer de toucher le genou. Pour les plus souples, vous pouvez, bien sûr, voilà, ça c'est un exercice encore plus, on va dire, on complique la chose. Ici, on vient toucher les pieds, se maintenir au pied, on descend le front au genou, et on verrouille, on reste 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien respirer, bien souffler. Donc ça, c'est le secret de l'assouplissement. Voilà. Alors, neuvième exercice, encore un classique qu'on fait chez nous au club. On va tendre et donc ramener la jambe et la tendre 10 fois. Voilà. Donc, pour les moins souples, pour ceux qui commencent, vous pouvez toucher le bout des pieds. Pour les plus souples, vous pouvez aller en dessous et prendre le pied au niveau du talon. Hein, l'important de l'exercice, c'est d'être tendu et on va ramener 10 fois. Donc, ramener tendu 10 fois. On y va. 1, 2, bien sûr, n'oubliez pas de respirer. 3, 4, 5, donc 6, on ramène et on tend. Ok, bien tiré. 7, 8, 9, 10. Et à la dixième fois, on va tirer la jambe vers soi. Donc, le plus qu'on peut, bien sûr, sans forcer, sans se faire mal. Hein.
Si vous sentez une grosse douleur, hein, vous relâchez un peu. Si vous avez vraiment, si vous êtes blessé, donc arrêtez tout. Donc l'important, c'est de ne pas forcer. Voilà, on tire au maximum qu'on peut sa jambe vers soi. Et quand on arrive à la tension maximum, on verrouille et on décompte 10 secondes. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche doucement. N'oubliez pas toujours de respirer. Important. On fait la même chose avec l'autre jambe. Ici, donc on tend, on ramène 10 fois. Alors pour les moins souples, vous pouvez juste toucher le bout des pieds. Pour les plus souples, vous venez chercher au niveau des talons et vous tendez et vous ramenez 10 fois. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On tend, on tire la jambe vers soi, on verrouille et on tient 10 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Voilà. Voilà, on arrive au dernier exercice. Donc là, on s'est déjà bien entraîné. On a fait 9 exercices de stretching. Donc les muscles sont de plus en plus chauds. On va partir en écart latéral, grand écart latéral. Donc, comme dans l'exercice précédent, le bassin, on va le tourner. Ici, au lieu de fléchir la jambe avant, on va la tendre cette fois-ci. Et on va descendre tout doucement. Tout doucement, on peut mettre les mains au sol. On descend tout doucement jusqu'au moment où on sent la tension. Et on reste 10 secondes dans cette position. Voilà, 2, 3, 4. Et on peut faire des petites insistances. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on descend tout doucement, sans forcer, et on remonte. Voilà. Vous pouvez faire l'exercice plusieurs fois, dans l'autre sens, même chose. Donc vous faites 10 fois, puis vous pouvez retourner, faire 10 fois. 10 fois, ça sert un peu à vous de voir. Ici, jambes tendues. Voilà, on descend tout doucement, hein, pas besoin de forcer. On essaie d'avoir les deux jambes tendues, on descend. On peut rentrer sa tête aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte et on va dans l'autre sens. Donc ça, vous le faites 2-3 fois à chaque fois. Et vous essayez de chaque fois de descendre encore un peu plus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, sans forcer, j'insiste. Voilà. Et vous pouvez le faire encore dans l'autre sens. Donc voilà, comme j'ai dit, ce qui est important, c'est de le faire régulièrement, de bien respirer, vous détendre, surtout pas forcer. Si vous sentez que la douleur est trop forte, hein, enfin moi ce que je veux que vous évitiez, c'est de vous faire un claquage. Donc ne forcez surtout pas. Ça c'est mon conseil de coach. Allez-y doucement. En douceur, n'oubliez pas de bien respirer, vous devez connaître votre corps, vous devez connaître vos limites, ok? Dernière fois, en avant, on essaye maintenant pour les plus souples d'aller jusqu'au bout, hop, on descend au maximum, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bien rentrer la tête, 8, 9, 10, voilà. C'est fini. L'exercice est fini. Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Nous avons donc vu 10 exercices de stretching, d'assouplissement. Ce sont des exercices que nous pratiquons régulièrement au club, donc plus propices aux pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat. Bien sûr, applicables aussi à tout le monde, à vous de le voir. Ce qui est important, c'est... Je l'insiste souvent dessus,
c'est de bien vous relâcher, de bien respirer et surtout de ne pas forcer. Avant tout exercice, je vous conseille toujours d'aller consulter votre médecin, voir si vous pouvez effectuer ces exercices ou les échauffements que je vous propose dans mes tutos avant de vous lancer dans la pratique. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, je le répète, donc je vous remercie très chaleureusement de suivre mes tutos. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.